avez-vous enlevé les fleurs? Madame de Breuil, votre appartement est au troisième. Je m'appelle René, j'ai 54 ans. On ne m'aime pas, mais on me tolère tout de même parce que je correspond parfaitement à l'archétype de la concierge d'immeuble. La loge ouvre à 8 heures, je repasserai plus tard. Vilaine, vieille, revêche. Je m'appelle Paloma, j'ai 11 ans. Ma famille est riche. Ah Paloma, mais pourquoi est-ce que tu te caches comme ça? 10 années d'analyse, c'est 3 heures par jour à pulvériser des plantes vertes et son impressionnante consommation de substances. Abstiens-toi. Je vous présente Monsieur Kakuro-Chou, notre nouveau propriétaire. Merci, madame. Vous connaissez bien la famille Artens? Oui, une famille heureuse. Toutes les familles heureuses se ressemblent. Mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Tu es Paloma, n'est-ce pas? Oui. Je viens de faire la connaissance de notre concierge. Vous aussi, vous pensez qu'elle n'est pas ce qu'on croit? Toutes les familles heureuses se ressemblent. Les familles malheureuses sont chacune à leur façon. Je suis heureux que mon emploi ne vous ait pas indisposé. Merci, mais je suis la concierge. C'est la coiffure qui va pas. Quand est-ce que vous y êtes allée pour la dernière fois? Vous savez, je vis seule depuis très longtemps et je sors jamais. Je crains d'être un peu sauvage. Plaisir, chère madame. Elle m'a pas reconnue. C'est parce qu'on ne vous a jamais vue. Madame Michel, elle me fait penser à un pierrisson. À l'extérieur, elle est bardée de piquants. Mais moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, elle est aussi raffinée que ces petites bêtes faussement indolentes. Terriblement élégante.